Le lait maternel, c'est un bon aliment pour les nourrissons. C'est un aliment complet. Il contient tous les nutriments, les vitamines, les minéraux, les lipides, les protéines, les carbohydrates. Donc le lait maternel est bien pour les enfants et pour les mamans. La qualité de lait change au fur et à mesure que l'enfant grandit. Le lait de premier jour, on l'appelle ça le colostrum. C'est un lait un peu jaunâtre, clair. C'est un lait riche en anticorps. C'est ça qui permet l'enfant de combattre les maladies. Donc, au début de naissance, les enfants souffrent de ce qu'on appelle problème de ventre et de gonflement. Tout ça là, le problème, la résolution, c'est dans le lait maternel. Donc, c'est la qualité. La première qualité de lait est uniquement pour sauver l'enfant. Premier avantage pour l'enfant même. L'enfant qui nourrit exclusivement le lait de sa maman, il ne tombe jamais malade. Il est immunisé contre beaucoup de maladies. Deuxième, l'enfant nourri avec l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, il va être intelligent. Il aime sa maman. Ça, c'est pour l'enfant. Pour la maman, vous savez que l'allaitement, c'est une meilleure façon de faire l'espacement des naissances. Donc, au moment où la maman allait son enfant, il n'y a pas de cycle menstruel. Donc, c'est un système d'espacement des naissances gratuit. Et aussi, c'est un système de prévenir certaines maladies comme le cancer.